Cet hiver-là, la neige était tombée si fort que les campagnes et les forêts avaient gelé. Nul terrier n'offrait un abri chaleureux, et partout les animaux grelottaient de froid. Une moufle, égarée, reposait sur le sol. Elle était si rouge et semblait si douce qu'elle brillait comme un phare dans l'obscurité. Le petit museau d'un rat gris fendit la nuit. Le rat, aux moustaches gelées, s'approcha prudemment de la moufle pour l'inspecter et décida d'y passer la nuit. L'intérieur de la moufle formait le plus doux des terriers et bientôt le rat s'endormit ravi. Les petits bonds gelés d'un crapaud craquèrent dans la nuit. L'animal s'arrêta devant la moufle en se demandant qui pouvait bien habiter là. Il demanda « Quoi, quoi ? Est-ce qu'il y a une place pour moi ?» Le rat, soudainement réveillé, bondit hors de la moufle. « Qui va là ?»« C'est moi, le crapaud, et j'ai froid. Mon nénuphar est glacé et je ne peux plus poser un pied sur ma mare tant elle est gelée. » Le malheureux crapaud paraissait si affligé que le rat accepta de partager son abri. Emmitouflé dans la moufle, le rat et le crapaud s'endormirent aussitôt. Le vol silencieux du hibou fendit la nuit. Perché sur une branche, il avait vu la moufle et s'approcha. Que votre moufle me semble douce, ouhou ! Puis-je venir avec vous ? Le cri du hibou résonna si fort dans la forêt que le rat et le crapaud se réveillèrent aussitôt. Tu vas nous dévorer pendant la nuit ! Hors de question que tu rentres ici ! Répondit le crapaud. Je suis si fatiguée qu'en ma compagnie vous ne risquez rien. Mon nid étant gelé, je n'ai pas dormi depuis une éternité. Le hibou semblait si souffrant que le rat et le crapaud décidèrent de ne pas le laisser dormir dehors. Pressés dans la moufle, le rat, le crapaud et le hibou s'endormirent tout d'un coup. Le rebond délicat d'un lapin blanc crissa dans la nuit. Il s'arrêta près de la moufle, la renifla de son museau rose et glacé et demanda « Mes pattes sont engourdies par le froid, auriez-vous une petite place pour moi ?» En sautillant, le lapin blanc remuait la neige de ses grandes pattes. Il en jetait par mégarde dans la moufle. Le rat, le crapaud et le hibou, scandalisés, répondirent avec sévérité. « Pas question, tu vas complètement nous geler !»« Pas du tout, et vous verrez que de tous les animaux, c'est moi le plus doux !» répondit le lapin. Puisque la fourrure du lapin blanc avait l'air très moelleuse, le rat, le crapaud et le hibou acceptèrent de le laisser rentrer. Recroquevillé dans la moufle, le rat, le crapaud, le hibou et le lapin s'endormirent très bien. Les pas feutrés d'un renard glissèrent dans la nuit. Se déplaçant furtivement entre les sapins, le goupil remarqua la moufle rouge et s'y faufila comme un souffle. « Faites-moi de la place ! J'en peux plus de la glace !» Dans la précipitation, une couture de la moufle céda, mais personne ne le remarqua. Bousculé, le rat, le crapaud, le hibou et le lapin tentèrent de chasser l'animal en criant au scandale. « Quel indélicat ! Quel goujat ! Pousse-toi de là !»« Non ! J'ai fui ma tanière gelée par l'hiver, alors hors de question de quitter cette maison !» Le renard se terra au fond de la moufle en décidant que l'on ne lui sortirait pas. Boudiné dans la moufle, le rat, le crapaud, le hibou, le lapin et le renard s'endormirent sans bagarre. Les grommellements d'un sanglier retentirent dans la nuit. Le gros animal couinait, nasillait, grognait et gémissait qu'il faisait bien trop froid. Il repéra la moufle telle une truffe et la bouscula de son boutoir. « Pitié, laissez-moi rentrer !»« Non, on est déjà assez serré !» rétorqua le renard. « Mais si je reste dehors, demain je serai congelé !» couina le misérable sanglier. Il semblait si affecté que ni le rat, ni le crapaud, ni le lapin, ni le hibou, ni le renard n'eurent à cœur de lui refuser l'hospitalité. Ils acceptèrent, sans remarquer qu'une seconde couture de la moufle cédait. Engoncés dans la moufle, le rat, le crapaud, le hibou, le lapin, le renard et le sanglier s'endormirent comprimés.
Le papato d'un énorme animal éclata dans la nuit. Sorti de son hivernage par le froid, un ours rôdait dans les bois. Il remarqua la moufle boursouflée et, sans laisser le temps aux animaux de dire ouf, il l'entrouvrit. « Sortez de cette moufle ! Elle est pour moi !» Ses griffes déchiraient la moufle, mais tout le monde était trop occupé pour le remarquer. « On était là avant toi ! Alors on ne partira pas !» s'énerva le sanglier. « Dans ce cas, on va être à l'étroit !» répliqua l'ours qui s'engouffrait à l'intérieur. L'immense ours s'étala maladroitement dans la moufle et aucun du rat, du crapaud, du lapin, du hibou, du renard ou du sanglier ne parvinrent à le déloger. Une autre couture céda. Trop occupé à se disputer, aucun animal ne remarqua une fourmi arriver. Cette dernière quittait sa fourmilière, bien décidée à trouver une autre tanière pour passer l'hiver. La fourmi se glissa dans la moufle et fut l'invitée de trop. Dans une explosion de tissus, la moufle se déchira en tous sens. Si bien que le rat, le crapaud, le hibou, le lapin, le renard, l'ours et la fourmi retombèrent dans la neige, abasourdis. Le matin pointait ses premiers rayons. Alors chacun décida de rentrer chez soi. « Ouh, je ne reste pas une seconde de plus. Vite, mon nid !»« Mieux vaut rentrer. »« Oui, on est d'accord. »« Ah, moi je m'en vais. »« Oui, moi aussi je pars. Au revoir. »« Bon, tant pis. Retour à la fourmilière. » Le silence était revenue dans la forêt. Une araignée, aux pattes gelées, par le froid, passa par là. Elle remarqua les lambeaux de la moufle et ramassa les fils pour en faire une pelote. L'araignée passa la journée à tisser les fils de la moufle. Suspendu entre les sapins, le filet de laine rouge formait comme une guirlande. Le soir venu, elle avait façonné une toile si chaude et si moelleuse que l'araignée s'y endormit, très heureuse.